Mesdames et messieurs, bon bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui vous écoutez, nous regardons et recevons toutes les informations. N'oubliez pas que sur la chaîne Maman Pimba, mais ça nous, une chaîne qui est là pour informer de tout ce qui a passé ici en pays d'Haïti. J'aimerais dire, nous, mesdames et messieurs, l'armée dominicaine envahit sur la République d'Haïti. Avec gros chars de guerre, gros armes fin de foi, mesdames et messieurs. Et ça qui est passé dans le coup de vie, c'est pour qu'être là, et bien mesdames et messieurs, méchant là, comme il y a là. C'est vraiment compliqué dans le pays d'Haïti. Dans ce moment-là, il semblait que les Dominicains voulaient arriver sur nous en grand monde garçon. On y a là nous-mêmes, pour nous connaître qui ça nous a fait, qui ça nous a fait avec le pays. L'équipe qu'on a aussi, autorité, qui soit disant autorité. Donc c'est nous qu'on y a là qui nous prend un destin nous en main pour nous connaître qui côté nous parler avec le pays. En fait, il y a un ancien PM qui c'est Claude Joseph qui a parlé dans le dossier ça, qui fait connaître que Luis Abinadel son provocation l'a fait avec Haïti. Il y a un ancien sénateur noir, Moïse Jean-Charles, lui-même, qui tweeté dans le dossier ça, mais pendant ce temps, il y a le premier ministre actuel là, Ariel Henry, qui était bouche bée dans la situation. C'est comme si c'est lui-même qui invitait pour Dominicain faire ça offrir dans le pays. En tout cas, mesdames et messieurs, nèg ici qui soit disant chef, nèg yo fait nous perdre dignité, nous perdre moralité, nous perdre honnêteté, nous perdre tout ça. En tout cas, mesdames et messieurs, à la prochaine pour une autre transmission de Chanel Message. À la prochaine. Reste le monde qui a vécu en Haïti, si vous n'êtes qui soi-disant dans tête pays, mesdames et messieurs, et vraiment Haïti a gagné, pas gagné, bon, pas gagné. En tout cas, mesdames et messieurs, nous allons faire nous tenter et vous n'avez la rèche qui pourra nous plus de détails concernant Dominicain Sayo qui envahit le territoire national. Là. En tout cas, mesdames et messieurs, on écoute une bonne audition. Ronald Larèche l'a dénoncé, militaire dominicain, il dit qu'il rentrait sous territoire, ça que Amazon dit n'est pas confirmé, mais il n'a pas dit s'il va rentrer non plus, parce que il va être là tout le temps en permanence, et pour arrêter et puis maltraiter compatriotes nous. Il critique tout, le gouvernement de facto, il dit qu'il n'a pas fait aucune déclaration pour condamner ça qui passait, il n'a pas même parlé de ça qui passait, un incident grave qui est arrivé hier dans Côte d'Ivoire. À mon côté, Ronald Larèche qui parlait dans le micro Villeur Joseph. Bon, son incident regrettable et c'est magistrat CHTK qui mettait sous cause situation ça arrivé. Depuis longtemps, plusieurs membres de la communauté en société civile là, toujours plaignent pour mauvais comportement que magistrat a gagné. Lui-même, il a gagné un peu rôle en étant cours de vie. Il a touché l'argent. C'est dans le moment ça a employé eux-mêmes, ils ont gagné le lunch pour aller manger. Et puis, ils ont gagné un embouteillage. Magistrat a pas attendu le parrain, c'est pour le rentrer, pour le foncer sur mon yo. Et puis, dans la traite, il y a des gens qui ont imposé, il y a des gens qui pour tomber et puis ça avait une cause soulèvement en dedans Côte d'Ivoire malgré et alors c'est là selon ce qu'a rapporté nous agent sécurité au fait magistrat injonction pour retourner pour le faire battre magistrat lui-même pas ouais pas attendre c'est pour rentrer pour foncer pour la toucher l'argent pour la poser l'argent dans Côte d'Ivoire et puis ça peut passer mon yo senti yo indien de ça passer à monde qui tomber monde qui indisposé et puis mon il y a des incidents qui passaient et puis écrasé brisé gain à des vandalistes qui fait en dedans et puis des militaires dominicains entrer malgré des policiers haïtiens qui te fait des interventions gain des agents de sécurité en dedans Côte d'Ivoire qui te fait des interventions mais il était impuissant par rapport à tout le monde. Pas bien. En dedans Côte d'Ivoire, c'est environ 15 à 16 000 personnes qui travaillent là. Et puis, l'agent de sécurité était impuissant. Il y a des militaires dominicains qui rentrent dans Côte d'Ivoire. Pas bien. Côte d'Ivoire, c'est sur l'Haïtien. Qui rentrent dans cet espace-là et puis qui tirent gaz lacrymogène, qui arrêtent les gens, qui battent les gens. Même parce que ça, c'est un insulte. Les militaires dominicains, ils ont fini ma histoire. Ça, c'est le monde qui est. Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas penser que c'est le président de facto. Alors, si c'est le premier ministre de facto, Ariel Henry, qui barre
l'ordre pour lui pour venir faire ça faire si c'est ministre affaires étrangères là comme dit tout bagage sous contrôle par contre si c'est sous contrôle ministre affaires étrangères là que dominicains ça rentre sous sol haïtien le matraqué maltraité avili et des citoyens haïtiens qui t'a manifesté contre ça qui fait au mal sous sol haïtien contre magistrat de Demetrius contre les agents de sécurité Code Vie qui te bon comportement qui est pas d'accord et puis qui peut pas arriver là même parce que ça c'est inacceptable pas des citoyens haïtiens qui a passé peu de militaires dominicains qui viennent battre haïtien et donc des citoyens haïtiens arrêtés ils mettent ils conduisent d'arabon dans le commissariat d'arabon parce que ça eux tout ça eux malgré tout incident à offert ou le premier ministre de facto non seulement pas condamné et ça passé mais c'est selon l'autre pays ça peut passer t'as bien parlé donc tout pour te dire condamné ça passé mais ça passé en sous-sol haïtien militaires dominicains viennent faire deux autres ça ils pas dit rien malgré comme tout bagage ça habitué ça au passé est-ce que le monde est mort dans événement ça. Non, jusqu'à présent, nous pas d'information ça, et nous pas de monde qui mourit. Et nous avons tout le monde qui t'a allé par magistrat, qui t'a allé côté magistrat, mais malheureusement, il n'y a pas de côté magistrat, et magistrat qui a un bandit, pas le connaître. Et le magistrat qui a acheté, il n'y a pas de bandit, pour le bandit qui a gagné, et tiré, il a fait des. Magistrat, comment les jours d'hier, il a fait des volets? Est-ce que le magistrat lui-même a travaillé dans le code de vie, ou bien une équipe qui a travaillé dans le code de vie? Comment le faire le payroll dans le côté de vie? Donc, jusqu'à présent, pas de personne qui connaît, parce que tout ça est un payroll tout à fait, pas de personne qui connaît, et est-ce que le magistrat a un chèque qui a sorti dans le côté de vie? Parce que ça passe, au niveau du côté de vie, il y a un paquet de monde qui a touché. Il y a des policiers qui a touché qui sont payroll pour le côté de vie. Il y a des monde qui dans la justice qui a touché sous payroll pour le côté de vie. Il y a des autorités qui a touché dans le côté de vie. Il y a des monde qui dans l'affaire sociale qui a touché dans le côté de vie. Il n'y a pas de travail. Moun sa ou pas employé jusqu'à présent parce que pas de moun qui connaît qui travaille magistrat au niveau de Code Vie et qui fait lui-même sous payroll Code Vie. Et gen des moun tout qui des citoyens qui dans la communauté qui pas travaille dans Code Vie dans des questions qui sont sous payroll Code Vie. Tout le monde militaire dominicain a arrêté Code Vie pour l'instant. Et par contre, si vous relâchez, nous pouvons gagner dernière information, mais gen des citoyens haïtiens qui ont été arrêtés au Talavéo. Dans le commissariat de Darabon, en République dominicaine. Parmi les FHPD, c'est tout territoire haïtien. Il y a des Dominicains qui travaillent là-dedans, il y a des Haïtiens qui travaillent là-dedans. Moi, je vois une masse de gens qui sont sous machine, qui travaillent, c'est des Haïtiens. Et puis, il y a des techniciens, des cadres, majorité. Alors, il y a des cadres haïtiens, mais majorité cadres candidats, c'est des Dominicains, et c'est contre ça, bagaille. Parce que ça, c'est un bagaille inacceptable. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est vrai que l'important pour que nous ayons un travail, nous ayons des interprétations internationaux pour qu'ils investissent. Investissant dans le pays, mais il faut que vous fassiez selon les normes, selon les règles, et nous allons accepter notre bagage pour des militaires dominicains qui battent haïtiens qui revendiquent. Parce que c'est tout à fait normal. Si vous avez des comportements, des mauvais comportements, c'est tout à fait normal. Si des agents de sécurité ont un comportement pour reprocher, vous pouvez estimer que ça qui passe à pas faire bien, vous êtes capable de manifester. Mais vous avez comment? L'humain Demetrius.